Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Info et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Tout à fait. Ouais, en effet, là je vois que ça roule très très vite. Hein. C'est quelqu'un qui va. Les deux vont vers la victoire. Je ne sais pas si le second, là, c'est-à-dire la personne de Cataño sera lâché. Parce que je crois que Castillo va monter très vite. Hein, à moins que, comme tu as dit, il veut lui offrir la victoire. Hein. Moi, je pense que oui, ouais. Il va lui offrir cette victoire. Mais il faut qu'il fasse attention. Castillo n'a pas énormément de temps quand même sur Maisonneuve et autres. Hein. Ouais. Parce que dans une bordure demain, ça peut friser les. Ouais. Et la minute. Parce que c'est maintenant, c'est là qu'il doit faire l'effort. Ouais. On les a vus quand même très très bien dans le plat, parce que c'est vrai qu'ils restent toujours ensemble pour revenir ramener le peloton, mais il faut pas jouer avec le feu. Ah ouais. Ouais. Parce que là, c'est cette étape-là, il faut créer la différence. Il faut le faire. Hein. Il faut vraiment le faire, prendre le maximum de temps que possible, alors qu'on nous montre que nous sommes dans les 4 derniers kilomètres. Hein. Ouais. Avec les hommes de tête, nous apercevons les 4 hommes qui chassent dans les 5 derniers kilomètres, me semble-t-il. Il me semble avoir vu sur la droite, nous passons au niveau donc, de la Maison du Bois, c'est bien ça hein, de Pointe-Noire. Ils sont 4. Ouais. Maintenant, ils ont tous les 4 intérêt à rouler, à prendre des relais. Dylan Will le fait. Donc on va voir pour Damien Hussel, forcément, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Alors ils sont 4 contre 2. Et là, ça va être intéressant de bien voir qui sont les meilleurs en termes donc, d'avancée. On va jouer du chrono, si vous le permettez. Avec les hommes de tête, vous connaissez bien Pointe-Noire. Nous sommes entrés dans la partie d'Audaneuse, d'Audaneuse avec la tête de course. Devant le lycée, devant l'école. Très bien, il n'y a pas de souci. J'attends votre top, c'est vous qui me dites. C'est bon? Top. Greg, devant le... C'est quoi vous avez dit? C'est une école. Hein. D'accord, c'est parfait. Donc devant le grand bâtiment, voilà. Donc, mais en tout cas, immeuble, un gros bâtiment. À Pointe-Noire, voilà. Gros immeuble, donc c'est ce que nous avons pu trouver avec les deux hommes de tête qui sont passés relativement à l'aise face à ce pointage. Ah ouais. Donc ça va encore grandir. Hein. Ça va encore grandir puisque là ils vont tourner, négocier sur la droite. Et vous êtes déjà à 35 secondes. 35. Attention à la voiture. C'est la voiture donc des Colombiens. Dans les 4 derniers kilomètres, ils ont le droit. Ils ont le droit de passer. Ah d'accord. C'est les officiels. Ça. Non, c'est pas les officiels. Hein. C'est une voiture de directeur technique. Parce que je sais que dans les derniers kilomètres comme ça, on n'a pas le droit. Mais enfin. Est-ce que nous avons la moto 2 pour le passage de cet écart? Voilà, donc la moto 2 que nous avons retrouvée, Claude Elmer. Je suis à une 11. D'accord. Est-on arrivé? Non, pas encore. Pas encore, donc ils ont encore pris, grappillé des secondes. Hein. Oui, ils ont grappillé, donc nous sommes à une 20, voilà. Ils ne sont pas encore passés, hein? Ils ne sont pas encore passés, hein, Claude Elmer. Ils ne sont pas encore passés du tout. Ça veut dire que devant, ça roule beaucoup plus vite hein, que 4 hommes, que les 3 hommes, puisqu'on a vu que pour l'instant, Boris n'a pas encore pu prendre de relais. Top. Voilà, une 37. Une 37. Une minute et 37 de retard pour ces deux hommes de tête, on rappelle. L'homme qui porte cette camiseta Mario, il s'agit de Castillo Kevin, donc de Team Sisti Credito. Et puis celui qui est avec lui, c'est le 42 Castano Sébastien. Il est parti à 1 minute et 35 secondes. Je peux et on peut dire, sans risque de se tromper, il va prendre donc la deuxième place pour le moment. Hein, il a déjà combien, vous m'avez dit, Claude Elmer? Une 37. Une 37.
Ouais, il a déjà, il titille donc la place donc de Dylan aussi. Oui, c'est ça. Le Dylan, Dylan. Les deux. Ouais, les deux parce qu'ils sont à une seconde. Voilà, deux secondes. Dylan est à 32 et Maisonneuve à 34. Voilà. Donc il se dirige là pour une belle deuxième place. Donc au classement général, tout à fait officieusement, si l'écart restait ainsi, Claudel Maire, eh bien on retrouverait deux Colombiens à la tête donc, de ce classement général. Alors que nous avons la montée aussi déjà donc, de ces quatre hommes qui chassent en troisième position Boris Karen, Maisonneuve le 1266, attention puisqu'il risque aussi d'attaquer, Maisonneuve pour aller chercher, parce que c'est ce qu'il a fait hier, hein. Maisonneuve le 1266, il risque de sortir donc, dans cette dernière ascension pour aller encore profiter de grappiller des places sur Dylan Will, parce qu'il est capable de le faire, hein, Maisonneuve, hein, le 1266, alors que nous avons à gauche les deux hommes qui pour l'instant filent, volent même sur un doublé. Le tiercé, il avait donc réalisé le trio même donc du côté de l'habitué. Et bien là, le doublé se précise avec Castillo et Castano Sébastien. Attention à la sortie donc de ce 1265. Maisonneuve, on aperçoit donc Damien Husserl en troisième position, Boris Karen en deuxième position et Dylan Will avec son sa coutume donc avancée et surtout pédalée. Eh bien, on sait que c'est pas un coureur qui apprécie donc les à-coups. Il monte à son rythme. Donc, dernier pointage, vous avez dit plus de 1 minute et 30 secondes. Donc forcément, le Castano de sa 42. Si il ne décroche pas dans la roue donc de Castillo, il sera deuxième au général. Oui, il sera deuxième et au général et peut-être vainqueur de l'étape. Oui, s'il s'accroche, hein, parce que là, il a des difficultés. Hein. Ouais. Il a des difficultés. Voilà. Donc. Avec nous avons aussi la possibilité de voir cette deuxième moto. On a vu par à-coup, ces quatre hommes qui chassent derrière. On a vu avec Damien Husserl qui fait tout en tout cas. Damien, il se bat. On a aussi le regard sur les deux hommes de tête. Claude, c'est difficile cette partie. Hein. Oui, cette partie, c'est très difficile parce que c'est Gommier un petit peu très long. Lorsqu'on passe près de la station d'essence, Gommier se trouve être très 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 difficile et ça se termine pas. Mais là, sur cette fin de course, je sens que les quatre coureurs sont très 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 bien. Je sens que, enfin à mon avis, je vois que Dylan se porte très bien. Damien aussi, donc il faudrait faire très attention. Mais attention à Boris Karen, hein, il a fait une très belle course, très 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 belle course, il faut le souligner. On ne va jamais arrêter de le dire. Hein. Donc chapeau à lui pour la position qu'il a jusqu'à présent, quelle que soit la place qu'il peut opérer. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc l'arrivée est imminente. Hein. Mais attends, oh! Mais il faut qu'on le lui dise, hein, qu'il sorte. Hein. Qu'est-ce que cette personne fait là, devant la caméra d'arrivée? D'accord, très bien. Donc les officiels qui arrivent sur cette ligne d'arrivée, on retrouve les quatre hommes avec la moto 2. Ils s'accrochent, ils sont toujours donc ensemble. C'est Damien Husserl qui fait tout parce qu'il sait que devant est en train donc de se passer quelque chose avec les deux Colombiens. Boris Karen s'accroche. Voilà le 66. Là, attention, on l'avait dit. Maisonneuve, il part là. Donc Damien Husserl, il laisse sur place pour l'instant Boris Karen. Dylan Will ne peut pas, il s'accroche Dylan Will, il serpente, ils sont en train de serpenter Dylan Will et Boris Karen alors que Damien Husserl est parti pour aller chercher pourquoi pas la troisième place, on le saura d'ici quelques instants. Pour l'instant donc Boris Karen a été décroché, Dylan Will a été décroché à Miss Sportif, alors que dans le même temps à gauche nous avons les images des deux Colombiens qui vont encore une nouvelle fois offrir une victoire à la cime à Team 6 Crédito. On a les images, on a des images des deux hommes avant l'arrivée, on a des images, voilà, merci beaucoup avec le maillot jaune, donc Kevin Castillo et Sébastien Castano. Dans le même temps, nous avons Boris Karen dans cette partie qui n'est pas bitumée, Claudel Maire. Là, il ne faut pas glisser. Hein, là. Ah non, faut pas. Non, ça s'adhère bien parce que c'est en béton. D'accord. Donc, je crois que c'est très bien, mais
Bon, il y a eu le départ, on a vu Damien. De Damien Hussel. Mm-hmm. Il a un écart de quand même d'une minute hein, sur le second et le troisième. Damien est parti à 2:14. Hein. Ah ouais. Il est parti à 2 minutes et 14 secondes. Damien Hussel qui se bat pour chercher la troisième ou la quatrième place. Hein. Il est parti avec Mesonob. Je pense que Damien Hussel à 2:14, il a sur Will. Ah ouais, il y a au moins une minute à récupérer sur Will. Hein. Ouais, ça serait très difficile. Voilà. Donc la deuxième moto est en train de passer. C'est bien. La deuxième moto est en train de passer. Oui, dès qu'elle peut, parce que c'est vrai que il y a des gens qui viennent juste là pour effectivement. Voilà, c'est parfait. La deuxième moto est en train de passer. On a les deux premiers, ils ne sont pas encore arrivés. Voilà. Donc Greg est en train de faire le nécessaire. On va voir si Dylan Will a pu revenir et sur les hommes qui chassaient. Donc en l'occurrence Damien Hussel. Voilà. Donc qu'est-ce que nous avons là? Deux premiers. Voilà Mesonob. Il est parti, hein, Damien Hussel. Damien Hussel va chercher la troisième place à Miss Sportif. Et là, on va jouer du chrono. Hein, mais attention, puisqu'il y a le chrono des deux hommes de tête, oui. Mais il y a le chrono aussi avec Damien Hussel qui va chercher sa troisième place, puisqu'il veut détrôner Mesonob. Il veut détrôner Mesonob, Damien Hussel. Mais on rappelle qu'il est parti à 2:14. Il a au moins une minute 50 secondes à donner pratiquement à Mesonob pour récupérer la troisième place de Mesonob. Donc on devrait retrouver avec le classement qui sera donc officialisé tout à l'heure. Un premier Kevin Castillo, tout à fait officieusement peut-être Castano Sébastien, mais ça va se jouer entre Dylan Will, Mesonob et également Damien Hussel. Qu'on se comprenne bien, mes sportifs, deux hommes en tête. Est-ce que nous avons les images de ces deux hommes de tête là? Pour l'instant, c'est Boris Karen. On n'a pas les images donc des deux hommes de tête, mais les images de Greg, nous les avons. Voilà, les images de Greg, nous les avons, ces images. Ce sont ces deux hommes qui chassent derrière Todelmer. Rappelez-vous bien, le maillot jaune. Le Castagno. Castillo et Castagno. Et Castagno Sébastien. D'accord? Voilà, oui. Qu'on se comprenne bien, on n'a pas encore donc l'arrivée du maillot jaune. On est sur vous, hein, messieurs. Hein. Ils ne sont pas encore arrivés, hein, maillot jaune. Non, pas encore, parce qu'on a le... Là, voilà. Voilà. Maintenant, là, les images des deux hommes de tête, ils ne sont pas encore arrivés, messieurs. Ils ne sont pas encore arrivés, alors que dans la double fenêtre, Damien Hussel remet encore une couche pour décramponner Mesonob, parce qu'il sait qu'il a besoin donc, de prendre du temps sur ce troisième du général Mesonob. Il a laissé sur place Dylan Will, alors que nous avons le maillot jaune et Castano. Il va offrir la victoire. Il va offrir la victoire à Castano. Kevin Castillo, il va forcément offrir la victoire à Castano. Regardez ça, mes sportifs. Magnifique. Bien magnifique. Castillo va offrir la victoire. On va le voir. Alors qu'il est parti. Il est parti, donc, Damien Hussel. Top. Damien Hussel va... Ah non, il a été lâché. Damien Hussel a été lâché par Mesonob. Apprêtez-vous sur la ligne d'arrivée à recevoir Mesonob qui va arriver en troisième position. Mais notez la très belle victoire de Castagno. Doublé colombien. Castillo assoit encore sa force, sa suprématie sur cette sixième étape. En troisième position, attendez-vous à voir Mesonob Sam, celui qui a commencé le vélo il y a un an et demi. Il a été découvert par le Vendée U. Venir comme ça sur le tour de la Guadeloupe, reprendre donc des points pour la Cofidis, certainement, parce qu'on sait qu'il va donc porter les couleurs donc, du professionnalisme. Et certainement, Mesonob, vous le verrez sur le Tour de France. Attention pour le chrono. Combien de temps déjà? 43 secondes. On attend sur la ligne d'arrivée, celui qui va franchir en troisième position cette ligne. Il s'agit de Sam Mesonob qui est parti troisième au classement général. On vous rappelle, au moment où on vous parle, il a laissé sur place Dylan Will, laissé sur place également Damien Hussel pour aller chercher sa troisième place. Et puis conforter, je crois, Mesonob, sa troisième place au général, puisqu'il y a Castagno. Combien de temps? Une 35. Voilà. Il a besoin. Il arrive. Voilà. Donc c'est important. Va-t-il perdre sa troisième place? Oui. Non, il va peut-être garder sa troisième place. Si, garde, et c'est garde. Castano. C'est Castano. Attention, top. Hein. Top. Combien? Top. Une 27. Une 27.
une 27. Voilà l'arrivée de Damien Housel. On va reprendre la ligne d'arrivée, c'est parfait. Nous avons la ligne d'arrivée en face et à l'arrière pour Damien Housel. On va prendre le temps, c'est très important. Alors que Dylan Will est en train aussi de réaliser aussi une belle montée de Gommier. Je vais vous donner le temps. Attention, top, noté. Une 51. Attention pour le top pour Dylan Will parce qu'il a pris quelques secondes. Top. Top, une 57. Une 57. Donc il a donné 6 secondes à Dylan Will. Damien Housel a donné 6 secondes à Dylan Will. Alors que Dylan Will était parti avec 32 secondes. Donc Dylan Will sera toujours, à mon avis, parmi les trois au classement général. Boris Karen arrive aussi. Arrivée de Boris Karen. Notez, Claude Elmer. Arrivée, parce que c'est vous qui allez donner le classement tout à l'heure. Je vous donne ça au même moment. Top. 2 minutes et 20 secondes de retard pour Boris Karen. Ouf, c'est pas fini. Nous avons encore d'autres images à l'arrière. Les images, oui, ça c'est les images d'arrivée. Donc on avait les images donc de tout à l'heure, mais c'était Dylan Will qui arrivait sur cette ligne du côté de Gommier à Grenade plus exactement. Une très belle arrivée, Claude Elmer. Doublé donc colombien avec vous, Claude Elmer. Est-ce qu'on peut tout à fait virtuellement comme ça donner le classement général? Oui, alors tu vas me dire. C'est donné en live hein, là. Alors, non, là. Non, mais Castano avait combien? Ah d'accord. Castano était parti à 1,35. Ah donc il ne sera pas second. Ah ouais, c'est ça que j'ai dit. Ouais, parce qu'il est arrivé à 1,27. Ouais, voilà, il est arrivé à 1,27. Ouais, donc on aura Castillo premier. Voilà. Deuxième Maisonor. D'accord. Troisième Will et quatrième Housel. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, voici le classement. C'est ça que moi je vois. Vous allez le répéter encore. Claude. Alors Castillo premier, Maisonor deuxième. Will troisième et Housel quatrième. Quatrième au pied. Là, et attention à. Boris va entrer dans les 10. Ah oui, ça sera obligatoire. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit. Alors, le premier est rentré. Le deuxième est rentré. Le troisième, Maisonob, il a terminé troisième d'ailleurs. Pena Wilson, il perd sa quatrième place, il est out. Castano fait un très bon, il fait un bon classement général de Team Sisté Crédito. Il sera placé aussi parmi les cinq. Housel Damien donc, va remonter de une ou voire de deux places. Damien Housel. Pochard Elliott, on va attendre encore, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé à l'arrière. Mais il était septième, on ne l'a pas vu dans le groupe de tête. Diego Milan avait donc disparu pour réapparaître à un moment donné avec le groupe Maillot Jeune Mélodigan. Ben, il n'est pas encore annoncé ici sur la ligne d'arrivée. Michel Adam aussi va faire une belle remontée ici. Toutefois, il continue sur cette lancée. Il est parti 9e à 3,59. Il était là. Il y a Kangeli Gromet, le 10e. On n'a pas vu du tout à Kangeli à 4,05. Et Beza Quentin aussi était là. Taillandi, on l'a vu très très loin passer. Alors, qui c'est qui arrive là? Donc, c'est un coureur de Vendée U. C'est Michel Adam. Michel Adam, le 266. Je pense que c'est lui. C'est sa silhouette à lui. Michel Adam, top. Combien? 4,45. Pour le 295, c'est Lebeau, top. Lebeau, 4,55. Stéphane Bennett. 4,55. 4,59. Voilà, c'est bon. On note tout. On n'arrête rien. 4,59, hein? Voilà, c'est Stéphane Bennett qui arrive. Il a perdu 4 minutes et 59 secondes sur le maillot jaune. Derrière, c'est Taino, ça. Attention. Ouais, restez comme ça. Ah, c'est Philippe Wagner qui arrive. Ça doit être Boileau. C'est Boileau qui arrive. Et c'est Quentin Beza, hein, le maillot bleu. Quentin Beza. Top pour Quentin Beza, le maillot bleu, c'est bien ça, hein, Claude Elmer. Oui, c'est ça, c'est bien Quentin Beza qui arrive. Il était 11e au général, hein, Quentin Beza. Il fait un très beau tour, hein. Très beau tour de Quentin Beza. Là, ça nous donne pas mal d'indications. Le temps de Beza. Alors, 5,27. Ah, vous avez tout le temps, hein, là. Vous avez les temps, Claude Elmer, et c'est bien. C'est très, très bien. Alors, que va nous faire l'arrivée? L'arrivée ben, va certainement partir au niveau donc, de la conférence de presse. Vous l'avez certainement vu accompagner les coureurs. C'est le président donc, de la collectivité, le temps que la conférence de presse puisse se préparer. Ou alors, est-ce que ça a déjà commencé? On a un œil dessus. Le temps qu'il se place, est-ce que ça a commencé ou pas cette conférence de presse? Sinon, la petite virgule avec le conseil. Oui, c'est bon ou pas? Conseil régional? C'est bon pour la conférence de presse? Ok, conférence de presse alors, on y va. T'as certaines équipes qui voulaient relancer la course.
c'est important de repousser ses limites et c'était pour faire honneur à l'équipe parce que collectivement ils ont apporté énormément, ils ont été présents. Impossible. Ouais, non, c'était impossible. Concrètement, aujourd'hui, j'étais vraiment dans une super forme et j'ai réussi à repousser mes limites même après 7 jours de course. J'ai jamais fait un tour aussi long. D'habitude, bah, là, je serais déjà chez moi à me reposer et fallait continuer à enchaîner. Et ouais, quand ils ont fait leur démarrage, c'était impossible de suivre. Faire éventuellement troisième de ce tour, c'est la position dans laquelle tu peux te trouver. Ce serait un bel objectif, c'est vraiment quelque chose de. Ah, ouais, je. Troisième, ça reste une performance très honorable et j'en serais satisfait parce que là, ça reflète bien mon niveau par rapport à la concurrence. Alors, encore une question, Sam Maisonneuve. Est-ce que tu savais que tu étais si bon grimpeur? En fait, je me découvre un petit peu. Mon expérience, elle est relative. Je me découvre au fil des courses que je fais. J'engrange pas mal d'expérience. Et aujourd'hui, je me suis vraiment surpris. Bravo. On va revenir au grand vainqueur, la team Sisté Crédito. On n'a pas encore les écarts exacts au niveau du classement général. Nous savons combien de temps il y a entre vous en la classification générale, mais. Est-ce que pour vous, c'est fini, le tour est joué et c'est la Sisté Crédito qui va gagner? ¿Crees que la Sisté Crédito va gagner? El tour de Guadalupe está terminado, está bien para vosotros? Bueno, la carrera no termina hasta el último día. Voilà, la course se termine le dernier jour. Pero a eso vinimos, a disfrutar el ciclismo como siempre nosotros lo hacemos y a intentar ganar. On fait de notre mieux, c'est le cyclisme, donc on va pas être trop présomptueux, mais le but c'est de gagner, bien sûr. Y muchas gracias a la organización. Merci beaucoup à l'organisation. Guadalupe. La Guadalupe. Y al final nos hicieron sufrir un poco, hicimos un poco de mountain bike. Voilà, et vraiment, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de montagnes sur cette île, c'est vraiment impressionnant. Une question pour Sébastien peut-être. Est-ce que tout était planifié, les différentes attaques? Et est-ce que maintenant il y a un objectif de faire 1 et 2 à l'issue du tour pour vous? Todas las atacas fueron planificadas o como estaba y tenéis el objetivo ahora de ser primero y segundo para el fin del tour? Sí, bueno, realmente anoche lo hablamos con nuestro director Pablo Vélez. Voilà, on a bien discuté avec notre directeur. Con nuestros compañeros. Avec nos camarades aussi. La idea era hacer una carrera muy difícil desde el primer ascenso. L'objectif c'était vraiment de lancer une charge très forte dès le début. Que acumuláramos fatiga en las piernas. Voilà, de un peu fatiguer les jambes des autres. Y los últimos 5 kilómetros, claro, no íbamos a seguir cargando la carrera, y íbamos voilà, a atacar. Les derniers kilomètres, on a voulu attaquer fort. Y bueno, así lo hemos hecho. Et voilà, on l'a fait. Cuando ha llegado mi compañero Kevin Castillo, hemos ido a fondo avec hasta Kevin meta. Castillo, voilà, on voulait arriver juste à la fin et vraiment se détacher du groupe. Sí, pero como le digo, todo esto es posible gracias a nuestros 4 compañeros. Voilà. Tout est possible grâce à nos 4 amis aussi, notre 4 compagnons. Qui han hecho un trabajo fantástico. Qui ont fait un travail fantastique. Et être 1 et 2 du tour, est-ce que c'est un objectif maintenant? Ser número 1 y 2 del tour es el objetivo ahora de la vuelta? Bueno, creo que es una bendición nacer 1 y 2. Esperemos que así termine el tour. Le but c'est d'abord d'être unis et voilà, on veut terminer le tour dans la meilleure condition. Sam, je sais que tu es un guerrier. Troisième, c'est vrai que c'est un bilan qui est pas trop mal. Est-ce que tu vas jouer tes chances jusqu'au bout et essayer quand même d'accrocher une place, pourquoi pas de deuxième? On verra comment ça se profile. En tout cas, un truc est sûr, c'est qu'on n'est pas là pour faire du tourisme sur les derniers jours. Hein. Si on a tout donné pendant 7 jours, c'est pas pour se relâcher sur la fin. Donc effectivement, on va essayer de bien finir les choses. Et puis là, c'est à eux de contrôler la course. Donc c'est à eux aussi de montrer que ce sont les plus forts jusqu'au bout. Et puis nous, s'il y a des opportunités qui s'offrent à nous... on va pas les laisser passer. Hein. Pas de regret, vous aurez tout tenté de toute manière. Ah oui, je pense que vu mon état à chaque arrivée, je finis avec zéro dans le réservoir, donc il va falloir bien récupérer et profiter aussi, parce que c'est aussi une super troisième place et j'en suis super content. Merci beaucoup. Una palabra en francés. Merci per la Guadeloupe. Et tu, Kevin? Non, indito, yo. Ça va. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup et bravo. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Eh bien, la conférence est terminée. Vous pouvez rejoindre le protocole et félicitations. Félicitations, messieurs.
Claudel Maire. On va revenir sur l'étape que vous avez. L'étape. Non ? Ah non, non, enfin. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Alors, l'étape. Il n'y a pas de problème. L'étape, vas-y, donc, ouais. Prenez premier, donc, Castano Sébastien, donc, qui réalise sur ses 154 km, 4 heures, 10 minutes et 35 secondes, c'est un Colombien, on le rappelle. Deuxième, Castillo Kevin, donc, dans le même temps, puisqu'il lui, lui offre la victoire. Troisième, Maisonob Sam, merci à Germain Gugou. Maisonob Sam, qui arrive en troisième position à 1,32. Quatrième position, Damien Ossiel, à 1 minute et 56 secondes. Cinquième, Dylan Will à 2,01. À 2,24, nous retrouvons Boris Karen. Sixième, septième, Michel Adam à 4,52. À 4,56, Lebeau Matisse. Neuvième, Stéphane Bennett qui arrive avec un retard de 5 minutes. Et puis, Béo Chin termine donc dixième avec un retard de 5 minutes et 26 secondes. Avec tout à fait officieusement avec vous, Claudel Maire, les trois premiers au classement général. Alors, les trois premiers au classement général, ça sera probablement Castillo. Mm-hmm. Deuxième, Maisonov va garder sa place. Castagno, troisième. Will, quatrième. Et Ussel, cinquième. Alors, Castillo, premier. Maisonov, deuxième. Castagno, troisième, c'est ça? Oui, Castagno, troisième. D'accord. Et quatrième. Attention. Officieusement. Hein. Non. Will peut rester troisième parce que comme c'était une 27, mm-hmm. non. Will, on va mettre Will. Alors Castillo. D'accord. Maisonov, Will. Castano. Et Ussel. D'accord. Castillo, Maisonov, Will et Castano. Et oui, et Ussel. D'accord. Parce que les 1-27 ne sont pas suffisants pour les deux. Ouais. Donc officieusement, hein. Oui, officieusement. Ouais, officieusement. Ça c'est de tête. Hein. Ça c'est de tête, hein. Ouais, voilà. Donc ça, c'est de tête. Puisque même l'informaticien ne nous a pas encore envoyé quoi que ce soit. Voilà, hein. On n'est pas gâté, quoi. On est obligé de travailler. Comme on a l'habitude de le faire. Comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Donc bien écoutez, le spot de la région, et puis nous revenons pour parler donc de cette septième étape. De septième étape et puis le parcours de demain après. Oui, c'est ça, la septième étape. Septième déjà. Oui, c'est ça. Oh. À tout de suite. Le 73e Tour cycliste international de la Guadeloupe, c'est du 23 août au 1er septembre avec la région Guadeloupe. Le partenaire majeur des grands événements vous invite à vibrer avec nos coureurs locaux et les 11 équipes invitées sur les 9 étapes. Il y aura de l'esprit d'équipe, des stratégies sportives, de l'abnégation face à un parcours de près de 1391 km, le plus long de l'histoire de cette course mythique. Vivez le Tour à chaque seconde avec la région Guadeloupe, terre de champions. Oui, il faut surtout pas oublier les bonifications aussi, hein. Il y a des bonifs, donc semble-t-il. Vous vous souvenez, j'avais parlé de ça, ce qu'il y avait des bonifications, ben oui. Ce qu'on a donné, c'est hors bonif. Hein. Oui, c'est hors bonif. Donc il y a Maisonob qui termine troisième, donc il accentue encore. Hein, donc, il accentue sa place au classement général. Donc ça peut être effectivement nécessaire. Deuxième, ouais, ça peut être le deuxième Maisonob. Ouais. Il y a Will, par contre, qui donc n'a pas terminé en quatrième position. Will, il a terminé cinquième. Donc il faut compter aussi sur Ussel parce qu'il y a des points aussi, hein, pour me semble-t-il. Est-ce que c'est pour les trois premiers ou les bonifs? Je crois que c'est les trois. Hein. C'est les trois. Hein, 10-6-4. 10-6-4, ben voilà. Donc c'est ça. On fait un principe. Hein. Ouais, normalement c'est ça. Hein. Normalement c'est ouais. Ça. Donc Ussel n'a pas pris de prix de points de bonif, donc c'est très important aussi. Mais je crois, et vous allez le répéter encore, le classement tout à fait officieux avec vous, Claudel Maire. Alors on a dit Castillo, Maisonov. Mm-hmm. Probablement Will ou Castano, et Ussel. Et Ussel, voilà, donc c'est ça. Donc, c'est simplement pour qu'on puisse vous donner ce classement tout à fait officieux. C'est que comme ça, c'est un petit jeu. On a commencé, donc on va terminer comme ça. Merci beaucoup à Guillaume Gugou. Merci à Tico qui est venu aussi nous rendre visite aujourd'hui. Demain, on va recevoir normalement Sylvain Babouin qui sera avec nous. On va retrouver aussi Laura Guépois, on va retrouver aussi Smaël pour cette septième étape. Avec le profil, on va avec vous voir un petit peu ce qui nous attend, Claude Maire, pour cette septième étape. Oui, alors ça sera Mornalo, petit canal. Alors on partira de Mornalo, en direction des Abîmes. Ensuite,
Mont-Nalo. Enfin, on fera Abîme, ensuite on revient à Mont-Nalo, on revient sur Petit Canal, par le stade, direction Port-Louis, Anse-Bertrand par la mairie, Carrefour Beaufort-Massieu. Ensuite, on revient sur Petit Canal par le Carrefour Gros Cap. On passe devant le stade. Ensuite, on revient sur Port-Louis pour se rediriger vers Anse-Bertrand, vers le Carrefour Campêche et autres. Ensuite, on revient sur Petit Canal. On revient sur Port-Louis, sur Anse-Bertrand. Donc, on constate que c'est un petit circuit, Petit Canal, Port-Louis, Anse-Bertrand. Ensuite, on revient à Petit Canal où l'arrivée va s'effectuer à la rue Victor-Schellcher. Ensuite, vers le stade, l'arrivée va véritablement se juger là. Et ce, sur 159,9 km. Voilà, nous saluons aussi la belle.